Bonjour à toutes et à tous, c'est Xakid, votre référence pour Final Fantasy XIV, et aujourd'hui on se retrouve pour la solution de la revue de mode du 9 au 13 avril. Avant ça, en quelques mots, qu'est-ce que la revue de mode? C'est un événement hebdomadaire dans lequel vous pouvez faire juger votre tenue sur une base de 100 points. La première fois, que vous atteindrez les 100 points, vous obtiendrez un titre unique qui s'appelle le styliste d'avant-garde, et à chaque fois que vous dépasserez les 80 points, vous obtiendrez 60 000 points de Gold Saucer, une fois par semaine, bien évidemment. Cette fois-ci, la solution des 100 points est relativement simple à condition d'avoir un métier de tissage de disponible, puisque nous aurons besoin tout d'abord de teindre votre arme, c'est assez rare pour le faire remarquer, en blanc perlé. Donc c'est une teinture qui s'obtient en restauration d'Ishgard avec les assignats à azuré. Et ensuite vous aurez besoin d'un casque, n'importe lequel, en teinture vermilion terne. Alors vermilion terne, c'est une teinture qui s'obtient auprès des PNJ de teinture classique. Le manteau de laine soyeuse ensuite pour le torse, de la même façon en vermilion terne. Vous pourrez prendre ensuite n'importe quel gant en vermilion terne de nouveau. Au niveau du pantalon, ce sera un bas de corps en laine soyeuse, vous l'aurez deviné, teint en vermilion terne. Au niveau des bottes, non, pas n'importe lesquelles justement, les bottes en laine soyeuse. Donc encore une fois, ces trois items du même set qui s'obtiennent en craftant ou à l'hôtel des ventes et qui seront elles aussi teints en vermilion terne. Pour la solution des 100 points, c'est comme d'habitude dans la description pour plus de détails. Ensuite, au niveau de la solution des 80 points, laquelle nous allons faire évidemment encore une fois ensemble, nous allons simplement avoir besoin de beaucoup de teinture et de notre fameux casque à teinture qu'on utilise à chaque fois. Alors tout d'abord, nous allons teindre notre arme en blanc perlé, c'est le même, donc toujours à azuré contre des assignats et tout le reste, c'est-à-dire au niveau de la tête, au niveau de nos gants, au niveau de... Bah, en fait, un peu tout, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de... Hop, le torse de la même façon. Les gants. Je vais être absolument sublime avec ça, je suis ravi, évidemment. Le pantalon, il passe aussi. Et les bottes aussi. Ah le, ouais, on a un certain style cette semaine. Parfait. Il ne vous reste donc plus qu'à vous faire juger pour obtenir vos 80 points et 60 000 PGS. Et voilà donc pour la solution des 100 et des 80 points de cette semaine pour la revue de mode. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires si vous avez la moindre question et remarque, tout simplement. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, bien, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne et sur Twitter. Ah, puis à la 4.